Bienvenue à vous, pèlerins du web. Ce qui se passe après la révolution urbaine en Sumer, à partir de moins 3400, est considérable en termes de bouillonnement des cultures. Dans les vidéos précédentes, nous avons borné dans le temps les individualisations des principaux groupes ethniques. Mais il faut considérer que c'est à partir de moins 3400 qu'on entre dans le monde moderne. En cela, on est en droit de définir trois perspectives pour cette ouverture. La première perspective est de considérer l'entrée dans l'histoire. Ceci est possible grâce à l'écriture, même si celle-ci ne devient efficace qu'à partir de moins 2686 en Égypte, avec Imhotep, et sa réforme de l'écriture hiéroglyphique. Celle-ci avait été inventée en moins 3200 au temps du roi scorpion de la dynastie 0 égyptienne. Et moins 2585 en Sumer, avec les premiers récits en cunéiforme littéraire, ceux-là même qui traitent du héros Gilgamesh, le roi d'Uruk. Une autre perspective est celle qui consiste à donner à la métallurgie du bronze un caractère décisif, à l'origine des premiers conflits de masse à partir des dynasties archaïques en moins 2900. La troisième perspective est de considérer que la mosaïque d'ethnie résulte de phénomènes migratoires, quelles qu'en soient les causes, bellicistes, catastrophiques, démographiques, idéologiques ou pacifiques. Cette playlist pointe les aires géographiques moyen-orientales et européennes. Elle couvre la période entre moins 3400 et moins 2004, c'est-à-dire depuis l'écriture et le bronze en Mésopotamie, jusqu'à la disparition définitive de l'activité géopolitique sumérienne dans le croissant fertile. C'est une tâche considérable, au moins aussi importante en termes de quantité de vidéos que ne fut celle de la saga brito-romaine. Car on travaille à limiter le format des vidéos à moins de 20 minutes, au pire 30 minutes. Cette première vidéo sert de préambule. Ici, nous allons immédiatement et brièvement traiter le cas de l'écriture. Ainsi, nous n'aurons pas à y revenir au cours des épisodes suivants. L'écriture, telle qu'on la conçoit et qu'on l'enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire un système linéaire capable de raconter une histoire, émerge en deux endroits à peu près à la même époque, en basse Mésopotamie et en Égypte. Cette écriture moderne est le fruit d'un héritage très progressif et qui s'étale sur plusieurs millénaires d'évolution. Son avènement, au cours de la première moitié du troisième millénaire, n'a pu être réalisable qu'après un très long chemin vers l'abstraction. Et pourtant, tout commence par une nécessité matérielle, la nécessité d'un témoignage sûr et inaliénable sur les comptes et les valeurs. Au départ, nous avons donc un problème de comptabilité. Dès moins 7560, devant la démesure du stockage des productions agricoles, des productions de l'élevage et des produits manufacturés, les besoins comptables se font criants. Les poids et les mesures n'existent pas. Les premiers poids et talons n'apparaîtront que vers moins 2340 dans l'Empire d'Akkad. Nous en avons parlé dans la série sur la monnaie. Mais nous sommes en moins 7560. Voilà 5 siècles que les récoltes des cultures domestiques amassent des quantités monstrueuses de grains et que la taille des troupeaux devient innombrable. On estime qu'au paléolithique supérieur, l'homme ne comptait que jusqu'à 3, parfois 5 pour des esprits particulièrement vifs. On peut risquer de dire qu'au néolithique, l'homme est capable de compter avec ses mains, ses doigts et ses phalanges. Le pouce compte 3 phalanges pour l'auriculaire de la même main, puis 3 autres phalanges pour l'annulaire. 3 autres pour le majeur et encore 3 pour l'index. Alors le pouce de l'autre main se dresse. On recommence l'opération qui voit l'érection de l'index à côté du pouce. Au bout de 5 opérations, on arrive aux limites du comptage. Le comptable se trouve alors avec une main aux 5 doigts levés et avec le pouce de l'autre main sur la 3e phalange de son index. Pour nous, qui avons appris à compter, cela veut dire qu'il a atteint le nombre 72. Or, il n'est pas du tout sûr que, pour l'homme du néolithique, un pouce levé dans une main et pour l'autre pouce arrêté sur la 3e phalange de son auriculaire, cela lui indique le nombre 15. Mais ce qui est certain,
C'est qu'il peut vérifier qu'il a la même quantité voulue de produit que ne l'indique la position de ses doigts. La limite de cette comptabilité digitale est la quantité 60. Au-delà de 60, c'est le brouillard qui commence et la porte ouverte à l'escroquerie. Bien sûr, le comptable peut demander à un assistant de lever le point pour indiquer que nous sommes à cette limite et ensuite recommencer l'ensemble du comptage. Mais lorsqu'il n'a que ses deux mains à disposition, il va utiliser une marque, un signe, un petit objet pour borner le compte. Ce sont ainsi des petits jetons qui vont être utilisés. Poser un jeton sur le plan de négociation veut dire qu'on a compté 60 unités. L'unité peut être une quantité de liquide d'un même contenant, un animal de tel type, une poignée de grains, toutes choses que l'on peut considérer comme identiques. Mais forcément, lorsque 60 jetons sont posés, l'esprit s'embrume à nouveau. Alors on utilise un jeton différent pour compter les premiers. Les jetons vont ainsi symboliser des nombres clés. Un jeton de forme lenticulaire, par exemple, indiquera le nombre 10. On sera alors dans un système décimal. Un gros jeton sphérique indiquera le nombre 60 et un petit le nombre 6. On sera alors dans un système sexagésimal. Un jeton triangulaire peut indiquer le nombre 180, etc., etc. À côté de cette proto-arithmétique, un autre problème se pose, c'est celui de la reconnaissance à distance de l'objet à négocier, la nature de la marchandise. Envoyer un bovin à des centaines de kilomètres pour passer une commande de 60 n'est pas pratique. Certains jetons ou des galets peints figuratifs vont être conventionnellement désignés comme universels pour représenter tel ou tel produit. Ce système, parfois sexagésimal, parfois décimal, va perdurer pendant des millénaires. C'est en -3400 qu'apparaissent les bulles enveloppes à calculi. Ces bulles sont des tablettes en argile dans lesquelles sont incrustés les jetons avant qu'on ne les durcisse au four. Pragmatique, on va très vite se contenter de la seule empreinte du jeton sur la tablette. Un siècle plus tard, en -3300, les empreintes des jetons sont remplacées par leur homologue pictographique. Ce sont des dessins figuratifs ou stylisés que l'on grave sur la surface des tablettes. Les jetons sont finalement abandonnés et seuls seront utilisés les pictogrammes qui les représentent. C'est ainsi que se met en place un certain système d'écriture. En -3200, les tablettes contiennent maintenant des chiffres et des logogrammes. Les logogrammes sont des graphèmes indiquant un mot entier sans indication de son mode de prononciation. La combinaison de plusieurs chiffres fait apparaître l'infinité des nombres, de surcroît beaucoup plus précis que les faibles capacités des jetons. Nous avons maintenant affaire à de véritables tablettes numériques. En Égypte apparaissent les premiers hiéroglyphes qui sont eux aussi figuratifs, à l'instar des logogrammes. À partir de -2900, au temps des dynasties archaïques sumériennes, les échanges entre les cités-états peuvent donner lieu à des conflits majeurs. L'écriture va être le remède pour éviter les malentendus. On la complexifie. Maintenant, elle ne s'exprime plus par des signes renvoyant à des choses, mais par des phonogrammes pour représenter des sons. Contrairement au logogramme, le phonogramme est un graphème qui indique une syllabe, ce qui implique un mode de prononciation précis. Le principe du phonogramme est le même que dans un rébus où les dessins d'un chat et d'un pot permettent de signifier le mot « chapeau ». En Mésopotamie, l'écriture utilise alors plus de 600 phonogrammes. En ce qui concerne le mouvement, c'est-à-dire le verbe, qui définit une action, un signe pouvait, selon le contexte, renvoyer à plusieurs sens. Ainsi, le signe du pied pouvait signifier marcher, se tenir debout, transporter, etc. En -2686, sous l'impulsion d'Imhotep, les hiéroglyphes égyptiens sont réformés pour que les logogrammes soient abandonnés au profit des phonogrammes. Enfin, en -2585, les tablettes ne sont plus seulement utilisées à des fins de comptabilité ou d'écriture administrative,
et elles ne sont plus rédigées uniquement sous forme de listes. Elles sont maintenant les supports de véritables récits linéaires, dont un des plus populaires est le récit des exploits de Gilgamesh, le mythique héros et roi d'Uruk. La temporalité du récit a pour effet de renforcer la linéarité de l'écriture. La conquête de l'écriture a été précisément de faire entrer par l'usage du dispositif linéaire l'expression graphique dans la subordination complète à l'expression phonétique. L'écriture, telle que nous la concevons, est enfin née. Thank you.